Bonsoir. Non, il ne te filme pas. Il ne te filme pas. Mais quoi, avec toi, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Belengui Yannick Noah. Plus fort. Je m'appelle Belengui Yannick Noah. Tu as quel âge? Je suis 87, j'ai moi 35 ans. D'accord. Tu es de quelle nationalité? Je suis Ndomo Miene. Tes parents sont où? Mes parents, c'était en Miene, pas gentil, l'autre c'est à Franceville. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait la prison? La prison, pas trop. C'est-à-dire? Un peu. Pourquoi tu es parti en prison? Ça fait longtemps aussi, je ne me rappelle plus. Tu es parti combien de fois en prison? En prison, je ne suis pas témoin. Deux fois, comme ça. Deux fois en prison déjà. Oui. D'accord, bon. Alors, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as assassiné les quatre membres de la famille? Oui, c'est moi qui ai assassiné. Pourquoi tu les as assassinés? Je l'ai assassiné, c'est parce que lui, il est venu me prendre dans ma chambre pour faire la bagarre dans sa chambre. Parce que lui m'a promis la bagarre depuis la journée. Celui qui m'a promis la bagarre, c'est pas moi. Et la bagarre s'est passée à quelle heure? La bagarre s'est passée à environ de minuit. Environ de minuit, la bagarre a commencé. Oui. C'est toi qui es parti les retrouver dans leur maison. Celui qui est venu me retrouver dans ma maison, c'est moi qui ai battu aussi les retrouver dans sa maison. D'accord. Et tu as utilisé quel outil? J'ai utilisé la machette. Elle est où la machette? La machette, elle est à la maison. Celle-là, j'ai ramassé ça quelque part. Celle-là, ce n'est pas la machette que tu as utilisée? Non. D'accord. Donc, pendant la bagarre, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la bagarre, le coup de machette, j'ai touché la femme, j'ai touché les enfants. Les enfants dormaient? Oui. La femme dormait? Oui. Le mari aussi dormait? Le mari était debout. Le mari était debout. Quand tu es rentré, le mari était déjà debout? Oui, oui. Donc, quand tu es rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu, qu'est-ce que tu as fait? Non, il m'a boussolé dans la chambre. Il me dit, comme tu n'as pas mis la bouteille de gaz que j'ai demandé depuis la journée, on va se frapper dans la maison. D'accord. Et après? Lui aussi a commencé à me porter main. Oui. On s'est frappé dans la maison. Il a pris son arme. Moi aussi, j'ai brossé mon arme pour me protéger aussi. Est-ce qu'il t'a damé un coup avec son arme? J'ai esquivé. D'accord. Et après, donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as damé le coup en retour, c'est ça? Oui, oui. Tu as damé le coup à quel niveau? J'ai frappé la tête. J'ai frappé la tête, il est tombé. Oui, oui. Et à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme aussi, le même coup aussi l'a frappé. La femme était allongée sur le lit? La femme n'a debout déjà. La femme était debout. Elle aussi, tu as frappé. Le même coup de la machette l'a touché. Le même coup de la machette l'a touché. Oui. Après, les enfants dormaient. Les enfants étaient déjà debout aussi. Les enfants étaient debout aussi.